Nous vous proposons de parcourir ensemble cette dernière année de la Grande Guerre. Nous avons rendez-vous avec celles et ceux qui ont vécu cette année décisive à travers leurs écrits et en musique. Et pour commencer notre périple, partons à la rencontre de l'adjudant Édouard Cœur de V. Dans ses carnets de guerre, cet instituteur et homme de lettres nous livre ses réflexions le 31 décembre 1917. Je me figure mal que voici encore une Saint-Sylvestre. Une année qui tombe dans le passé et qu'une autre année de guerre va commencer. Il me semble que c'est hier que j'ai quitté Besançon, mes études, mes amitiés. Et pourtant, il m'apparaît presque normal d'être ici, dans ce village lorrain, de monter demain par les boyaux dans la tranchée glaciale et meurtrière, de passer après-demain par-dessus le parapet, de courir le revolver au poing. Je ne crois pas que la guerre finisse en 1918. Je n'aperçois la paix qu'à l'épuisement du monde. Des États-Unis à nos côtés l'année précédente, généraux et politiques ne sont guère optimistes. Le général Fayol est même désespéré. L'Allemagne va gagner la guerre. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Nous venons de perdre l'allié russe. En 1917, le tsar a dû abdiquer, les bolcheviks sont au pouvoir et Lénine vient de signer un armistice avec l'Allemagne. L'Allemagne est désormais débarrassée du front de l'Est. Le soldat Lucien Durosoir résume la situation. L'avenir est sombre, car avec toutes les forces ramenées de Russie, les Boches vont nous mener la vie dure et nous tomber sur le poil. Et les soldats américains, les Samizes, débarquent encore trop lentement pour nous aider à résister aux coups de boutoir allemands. Georges Clemenceau, notre combatif président du Conseil, en est sûr. Les Américains vont arriver trop tard. Et les Allemands y comptent bien. En ce début d'année 1918, une formidable course contre la montre vient de s'engager. Thank you.
Les Américains construisent sur notre territoire des ports, des camps, des gares, des voies ferrées, des routes, des lignes télégraphiques et de vastes dépôts, comme celui de Gièvre, en Sologne. Écoutons sa description, parue dans un magazine de l'époque. À Gièvre, petit village situé à l'extrémité sud du département du Loir-et-Cher, se trouve le plus grand dépôt américain de viande frigorifiée, destiné à l'alimentation des troupes. Il a été édifié en moins de 6 mois. Une forêt fut abattue et maintenant, des deux côtés de la route, s'élève une ville de bois et de toile. Sur la route, c'est un va-et-vient continuel d'automobiles, de sidecars filant comme des éclairs, de camions, de motocyclettes, de colonnes de nègres qui vont du repos au travail et du travail au repos. Des marchandises entrent perpétuellement dans les baraquements venant directement d'un des ports de l'Atlantique et en ressortent sans arrêt à destination du front ou des camps américains d'instruction. Mais hélas, leur jeune armée est plus adaptée aux vastes espaces du Far West qu'à une guerre de tranchées. Français et Britanniques doivent équiper et former ces jeunes soldats inexpérimentés. Écoutons le soldat français Armand, instructeur à l'armée américaine. Il écrit à son épouse. Mes étudiants américains sont parfaits de tenue et d'attention. En dépit de ma prononciation, ils boivent mes paroles. Et quels mangeurs, nos Américains! Il faut à chacun, au repas de midi, 3 omelettes. Sur la grande place du village, entourée de toute la jeunesse curieuse du pays, ils pratiquent leur jeu national, le baseball. L'année 1918, les Américains ne sont pas prêts. Français et Britanniques sont encore bien seuls pour résister aux assauts allemands. Mais nos poilus sont loin de paniquer. Et pour tenir bon, ils chantent. Thank you.
imminente. Le président du Conseil, Georges Clemenceau, doit faire voter les crédits de guerre. Le 8 mars 1918, à la tribune de la Chambre des députés, il prononce l'un de ses discours les plus marquants. Moi aussi, j'ai le désir de la paix le plus tôt possible, et tout le monde la désire. Il serait un criminel, celui qui aurait une autre pensée. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Ce n'est pas en mêlant la paix qu'on fait taire le militarisme prussien. Ma politique étrangère et ma politique intérieure, c'est tout un. Politique intérieure, je fais la guerre. Politique étrangère, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. La Russie nous trahit, je continue de faire la guerre. La malheureuse Roumanie est obligée de capituler, je continue de faire la guerre. Et je continuerai jusqu'au dernier quart d'heure, car c'est nous qui aurons le dernier quart d'heure. Expéditionnaire américain sur le sol français consent à confier 4 régiments seulement à l'armée française, 4 régiments de soldats noirs américains. Le colonel Hayward est à la tête du plus connu de ces régiments de soldats noirs américains, les Harlem Hellfighters, combattants de l'enfer de Harlem. Il se réjouit de l'incorporation de son régiment à l'armée française. Il n'y a aucune troupe américaine près de nous. Nous sommes les enfants perdus. Mais j'en suis heureux. Notre grand général américain a simplement mis l'orphelin noir dans un panier, l'a posé sur le pas de la porte des Français, tiré sur la sonnette et déguerpi. Je l'ai dit à un colonel français et il m'a répondu « Welcome, little black babies ».
musique que débute l'épopée française des Harlem Hellfighters. Leur remarquable orchestre, dirigé par le compositeur noir américain James Reese Europe, fait découvrir le ragtime et le negro spiritual à nos compatriotes. La musique des Harlem Hellfighters remonte le moral des troupes et des civils à l'arrière ou tout près du front, comme à Chalon-sur-Marne. Écoutons le soldat et chanteur Noble Sissel. À notre arrivée à Chalon, l'orchestre défila en ville en jouant des marches américaines et des chants populaires. À midi, nous offrîmes un concert dans un kiosque situé dans un parc de la ville. Nous étions le tout premier orchestre américain à jouer ici. C'était aussi la première fois que nous jouions dans une grande ville si près du front. Ce fut un grand plaisir de voir l'effet de notre musique sur ces gens tristes et fatigués par la guerre. Ce 16 mars 1918, il nous parle de Verdun. Me voici au dernier soir de ma 20e année. Je dis adieu aujourd'hui non seulement à une année de ma vie, mais aussi à la région de la France qui a joué un si grand rôle dans ma vie. Verdun. Verdun. Nom effroyable. Plus d'un qui tout à l'heure jouissait du soleil entend la mort venir en hurlant. Finis les rêves de paix et de retour au pays. L'homme devient vert et se terre dans les trous les plus profonds. Bombardement continu, champ de bataille invisible sous la fumée asphyxiante,
gaz, paquets de terre, lambeaux qui tourillonnent pêle-mêle dans l'air. C'est Verdun. Soldat Lucien du Rozoir. Ce 21 mars 1918, comme presque tous les jours, il écrit à sa mère. Depuis 24 heures chez nous, ça barde. Est-ce un coup de sonde de la part des Boches ou le prélude à une attaque générale? Je ne sais. Mais en tout cas, le canon rugit comme dans les grands jours de jadis. En fait, la grande offensive allemande vient de commencer. Les Boches doivent avoir l'intention de couper l'armée anglaise de l'armée française. Et les Américains sont encore loin de nous donner une aide efficace. Rejoignons justement les positions de l'armée anglaise en Picardie. Nous sommes dans les ruines du village de Nurlu, en compagnie de Winston Churchill, ministre britannique de l'armement. Dans ses mémoires, il décrit la nuit du 21 mars 1918. Soudain, le silence fut rompu par 6 ou 7 explosions très bruyantes et très violentes. Puis, à la façon dont les notes se succèdent, quand un pianiste promène ses doigts d'un bout à l'autre du clavier, il se déclencha en moins d'une minute la canonnade la plus épouvantable que j'entendrai jamais. Passons maintenant de l'autre côté des lignes. Nous sommes avec le jeune lieutenant allemand, Ernst Jünger. Il nous raconte son 21 mars 1918 dans Orage d'acier, son journal de guerre.
Le grand moment était venu. Quand nous avançâmes, une fureur guerrière s'empara de nous. Comme si, de très loin, s'était versée en nous la force de l'assaut. L'immense volonté de destruction qui pesait sur ce champ de mort se concentrait dans les cerveaux, les plongeant dans une brume rouge. J'avançais furieusement à travers le sol noir où traînait encore la fumée, les gaz asphyxiants de nos obus. Des casques allemands poussaient comme une moisson de fer dans le sol labouré par le feu. Le sort du combat fut réglé en une minute. Les Anglais sautèrent hors de leurs tranchées et s'enfuirent à travers champs par bataillons entiers. Le succès produisait un effet magique. Il n'existait plus qu'une seule direction, en avant. Ce 21 mars 1918, nous avons bien failli perdre la guerre. En une journée, les Allemands ont fait une avancée spectaculaire et se dirigent maintenant vers Amiens. Par de redoutables engins volants, les Gotha, transportant 600 kilos de bombes chacun. Les Parisiens s'adaptent au danger, comme le constate Lucien du Rozoir. C'est bien curieux de voir la physionomie de Paris à l'heure actuelle. Les gens organisent les caves, y installent tables, buffets, fauteuils, chauffage. Mais depuis le 22 mars 1918, les Gotha ne sont plus les seuls à terroriser la capitale. La grosse Bertha, super canon allemand d'une portée de 120 km, tire ses obus sur Paris. L'écrivain Colette nous raconte comment l'une de ses amies réputée peureuse s'adapte finalement à ce nouveau péril. Au plus fort de l'alarme, je pensais à mon amie qui s'effraie d'un rien. La pauvre, elle doit se mettre dans tous ses états. Et elle n'y a pas manqué. Elle me racontait les étages descendus, gravis, redescendus, la pantoufle perdue dans l'escalier, l'étage de bougie, la cave, les toiles d'araignée et le corridor. Dimanche matin, je la rencontrais dans la rue, qui revenait de la messe au son du canon. « Eh bien !» lui dis-je, « rentrez vite, vous entendez le canon ?» Elle leva vers le ciel pur et plein d'embûches, des yeux fort paisibles. « Ah, ma foi, non, je ne descends plus dans la cave. »« Comment ?»« J'en
j'en ai assez. Vous comprenez? On se lasse de tout. J'ai les jambes rompues d'abord. Et puis quoi? Hier, c'était des avions. À présent, c'est un canon. Demain, ils nous enverront des ballonnets à bombes. Non. Non, vous comprenez? Il y a des bornes. J'en ai assez. Ils peuvent bien inventer n'importe quoi. À présent, je suis fatiguée. Je ne me dérange plus. Et elle remonta vers sa verrière du cinquième étage, d'où nul tambour, sifflet, trompette ou accordéon d'alarme ne la feront plus sortir. Les Parisiens savent garder le moral. Certains abris sont même reconvertis en salles de spectacle et des bals sont parfois improvisés dans le métro lors des alertes. Depuis le 21 mars 1918, le spectre de la défaite plane sur la France et ses alliés. Devant la gravité de la situation, le général Pershing accepte enfin de placer toutes ses troupes sous la responsabilité du commandant suprême des forces alliées, le général Foch. Le 28 mars 1918, Pershing se rend au QG de Foch à Clermont-de-l'Oise.
Je viens pour vous dire que le peuple américain tiendrait à grand honneur que nos troupes fussent engagées dans la présente bataille. Je vous le demande en ma nom et au sien. Il n'y a pas en ce moment d'autre question que de combattre. Infanterie, artillerie, aviation, tout ce que nous avons est à vous. Disposez-en comme il vous plaira. Il en viendra d'autres, aussi nombreux que nécessaire. Je suis venu tout exprès pour vous dire que le peuple américain sera fier d'être engagé dans la plus belle bataille de l'histoire. Au cours du printemps 1918, les Samises font progressivement leur baptême du feu et découvrent à leur tour l'enfer des tranchées. Écoutons le soldat américain Garwood Reitz. Il faut vivre dans ces tranchées pour comprendre à quoi elles ressemblent. La boue jusqu'aux genoux. Et si tu lèves la tête, un tireur d'élite Boche te tire dessus. Certaines nuits, dans les tranchées, il n'y a pas de bruit, sauf le couinement de rats, gros comme des chats. Le lieutenant Edward Bartlestone, dans Compagnie K de William March. Je sentais la vermine qui me démangeait le dos et me courait sur la poitrine. Je ne m'étais pas lavé depuis des semaines et mes pieds étaient couverts de cloques détestables. Dans l'abri régnait une odeur aigre et suffocante qui me retournait l'estomac, me donnait envie de vomir. Le soldat Silas Pullman dans Compagnie K de William March. Juste encore quelques minutes. On monte à l'assaut. J'entends ma montre qui fait tic-tac, tic-tac. Ce silence, c'est pire que le pilonnage. Je n'ai encore jamais été sous le feu. Je ne sais pas si je pourrais le supporter. Je ne pensais pas que ce serait comme ça. Thank you.
21 mars 1918 en Picardie, le stratège allemand Ludendorff lance un assaut sur les Flandres en avril, sur le chemin des Dames fin mai. L'Aisne est franchie, les Allemands s'emparent de Château-Thierry et repassent la Marne. L'adjudant Édouard Cœur de V nous fait part de son désarroi. On a l'impression qu'une grande porte a été enfoncée, que l'ennemi s'y engouffre irrésistiblement. Je ne puis croire à un pareil désastre. Et l'invasion reprend, comme au mauvais jour d'août 1914. Le 3 juin, les Allemands sont à moins de 80 km de Paris. La situation est critique. Le 9 juin, Ludendorff déclenche une nouvelle offensive dans l'Oise. Il espère porter le coup décisif et prendre la capitale. Mais les poilus ne plient pas. Le 11 juin 1918, le général Mangin lance sa contre-offensive et sauve Paris. Le vent commence à tourner. Le renversement de la bataille a lieu entre le 15 et le 18 juillet 1918. Arrêtés net dans une nouvelle offensive en Champagne, les Allemands se replient. Le soldat Lucien du Rozoir, responsable d'une unité de pigeons voyageurs, nous raconte ces jours glorieux. Cette fois, c'est l'action. Nous sommes sales, poussiéreux, en loques, bien fatigués. Mais nos figures rayonnent et l'enthousiasme est grand. Les Boches foutent le camp à toute allure et reçoivent une pilée fantastique. La division d'infanterie avance sans cesse. Aussi, j'ai fait des kilomètres avec mes pigeons de liaison. Le terrain est dans un état inouï. Te dire la circulation sur les routes et en forêt, ça dépasse l'imagination. Enfin, le général Foch a joué là une belle partie et sont encore les poilus avec des Américains qui sont en train de la gagner. Nos gars sont merveilleux et c'est la guerre de campagne, plus de tranchées, la forêt, la plaine et les poilus, assouplis par des années de guerre, sont tout simplement admirables. Les officiers américains qui sont avec nous ne tarissent pas d'éloges en disant que, après 4 ans, voir des gens aussi allants et endurants, ça tient du prodige. C'est un honneur d'être avec le général Mangin et d'avoir été de ses heures héroïques. Pendant ces jours décisifs de la bataille de France, certains profitent de l'été, même sur le front. Écoutons le soldat américain Plaise Yancey dans Company K de William March. On devait nous attribuer un secteur tranquille, et en vérité, c'est bien ce qu'on a eu. Derrière nous se trouvait la ville de Pont-à-Mousson, devant nous,
coulait la Moselle, et de l'autre côté du fleuve, les Allemands étaient dans leurs tranchées. La nuit, où on a pris la relève, les Français nous ont expliqué les règles du jeu. Le matin, les Allemands pouvaient descendre au bord de l'eau pour nager, faire de la lessive, ramasser les fruits dans les arbres, de leur côté du fleuve. L'après-midi, ils devaient disparaître et on avait toute liberté de nager, jouer, de manger des prunes de notre côté à nous. Ça marchait impeccablement. Un matin, les Allemands nous ont laissé un mot où ils s'excusaient de devoir nous informer qu'on allait être bombardés dès ce soir-là, à 10 heures, et que le tir de barrage allait durer 20 minutes. Et ça n'a pas raté. L'artillerie a ouvert le feu, mais tout le monde s'était replié d'un kilomètre vers l'arrière et était allé se coucher. Il n'y a pas eu de mal. On a passé 12 jours magnifiques stationnés près de la Moselle. Puis, à notre grand regret, on a levé le camp. Mais on avait tous appris une chose. Si les hommes de rang de chaque armée pouvaient simplement se retrouver au bord d'un fleuve pour discuter calmement, aucune guerre ne pourrait jamais durer plus d'une semaine. Les armées blanches sont déjà dans les faubourgs de la ville pour délivrer le tsar. Les bourreaux bolcheviques doivent faire vite. Vers 1h du matin, le 16 juillet, les Romanov sont tirés de leur sommeil. Leur geôlier lit une courte déclaration au tsar Nicolas II. Nikolai Alexandrovitch, les vôtres ont essayé de vous sauver, mais n'y sont pas parvenus. Nous sommes obligés de vous fusiller. Votre vie est terminée. La famille impériale russe est sauvagement exécutée. Des Champs-Élysées, ce 18 août 1918, l'orchestre des Harlem Hellfighters, dirigé par James Reese Europe, joue devant les élites du monde libre. Le président Raymond Poincaré et le couple Roosevelt sont là. C'est un triomphe et l'orchestre fait danser le tout Paris jusqu'à la fin de l'été. Thank you.
Les Américains nous ont apporté le jazz, mais nous leur avons donné Titine. Ils l'ont emporté dans leur bagage en rentrant chez eux. Qui a des fermes et des millions, m'a dit « Je pars pour l'Argentine, et tu connais mes conditions. Mon héritage, je te le destine, mais tu ne toucheras pas un rond si tu ne prenais pas soin de Titine, pour qui j'ai une adoration. » Il y a 8 jours qu'elle n'est pas rentrée, et je suis bien entitinée. Je cherche après Titine, Titine, oh ma Titine. Compromettant. Elle était frisée comme un ange, estortillée tout en marchant. Titine avait le cœur frivole et changeait de flirt 10 fois par jour. J'en avais honte, mais ce qui me désole, c'est qu'elle est partie pour toujours. C'était, vous le reconnaîtrez bien, une chienne qui a vraiment du chien. Je cherche après Titine, Titine, oh ma Titine. Je cherche après Titine et ne la trouve pas. Je cherche après Titine, Titine, oh ma Titine. Je cherche après Titine et ne la trouve pas. Aïe, maman, aïe, papa. Titine, Titine, oh ma Titine. Je cherche après Titine et ne la trouve pas. Je cherche après Titine, Titine, oh ma Titine. Je cherche après Titine et ne la trouve pas. Depuis le mois d'août 1918, les Alliés savent qu'ils sont en route vers la victoire, mais un nouveau fléau frappe les combattants de tous bords et les populations affaiblies, la redoutable grippe espagnole. Elle fera bien plus de victimes que la Grande Guerre. D'octobre 1918, nous retrouvons le jeune soldat allemand Paul Belicke. Il est de nouveau à Verdun, il y perdra la vie. De nouveau devant Verdun. Tous ces derniers jours, j'ai vu devant moi le fantôme horrible, Verdun. Nous y sommes revenus, et cette fois sans doute rien ne me sauvera. Verdun sera ma mort. Une marche de 22 kilomètres cette nuit, cela a été dur et on s'étonne que les hommes tiennent bon. Il faut s'interdire toute pensée. Quand on lit un journal, il faut rassembler toutes les forces de son âme pour ne pas perdre courage. Je ne peux pas croire que nous serons vaincus. Je ne peux pas. Thank you.
lundi 11 novembre 1918, 11h du matin. Écoutons les témoignages de ceux qui ont vécu ce jour, ce moment de l'histoire où la Grande Guerre s'arrêta. Gabriel Chevalier, dans La Peur. 11h. Un grand silence. Un grand étonnement. Puis, une rumeur monte de la vallée. Une autre lui répond de l'avant. C'est un jaillissement de cris dans les nefs de la forêt. Que la terre exhale un long soupir. Il semble que de nos épaules tombe un poids énorme. Nos poitrines sont délivrées du cilice de l'angoisse. Nous sommes définitivement sauvés. Le soldat Marius Maillet. 11 novembre, 11h. Ma chère bien-aimée pour la vie, tout est fini. La paix est signée. On ne tue plus. Le clairon sonne le cessez-le-feu. Je suis à Aumont, dans les Ardennes. T'en fais plus. Je suis maintenant hors de danger. À toi. Bon baiser et à bientôt. Le lieutenant Jean-Lucien Lavigne, sur le front d'Italie. Nous apprenons que l'Allemagne, l'orgueilleuse Allemagne, venait, comme le gladiateur frappé à mort, de fléchir les genoux. Comme j'arrivais à mon logement, je veux y disparaître lentement derrière les collines empourprées, le soleil du plus beau jour de ma vie. La guerre venait de sombrer dans le passé. Que Dieu nous en préserve dans l'avenir. Le soldat Lucien Durosoir. À ce moment de fin de guerre, je songe à tous les camarades qui sont tombés, aux longues souffrances subies par tous, et l'émotion me secoue en voyant enfin les résultats acquis par tant de sacrifices. L'avenir seul pourra dire et essayer d'expliquer l'admirable force d'âme dont nous avons fait preuve, et dans des conditions telles que nul homme ancien n'a connu. Enfin, pour le moment, le cœur est trop plein pour pouvoir dire plus. Le 13 novembre 1918, une Parisienne, Élise, écrit à son frère, le poilu Edmond Massé. Enfin, c'est fini. On ne se bat plus. C'est la victoire, comme on ne l'espérait pas au mois de juin dernier. Et même au 15 juillet. Qui aurait osé espérer à cette époque une victoire aussi complète et en si peu de temps? Je ne sais pas comment et quand l'heureuse nouvelle vous a été annoncée. Ici, à Paris, on l'a su à 11h, par le canon et les cloches. Aussitôt, les rues étaient noires de monde. Tous les ateliers en bande, hommes et femmes, bras dessus, bras dessous, drapeaux en tête, parcouraient en chantant les boulevards et les grandes avenues. Et les Américains, juchés sur leurs camions, n'ont pas cessé de parcourir la ville. Quelles ovations sur leur passage! Quelle journée inoubliable! Et qu'est-ce que ce sera lorsque les troupes défileront sous l'arc de triomphe?
Churchill, dans ses mémoires, décrit lui aussi les mêmes scènes de liesse à Londres. C'était quelques minutes avant la 11e heure du 11e jour du 11e mois de l'année 1918. Je me tenais à la fenêtre de mon bureau qui s'ouvrait sur Northumberland Avenue dans la direction de Trafalgar Square en attendant que Big Ben nous annonce la fin de la guerre. Les minutes passaient et puis soudain, le premier coup de cloche. De tous côtés, des hommes et des femmes se précipitaient dans la rue. Des foules se déversaient de tous les bâtiments. Les cloches de Londres tournaient à la cacophonie. Des centaines et des milliers de gens couraient frénétiquement, en tous sens, en poussant des acclamations et des cris de joie. Cela faisait 52 mois que l'on accumulait des fardeaux d'un poids accablant sur le dos des hommes. Et d'un seul coup, on pouvait enfin se délester de tous ces fardeaux. C'est du moins ce que l'on croyait à ce moment-là. La parole à l'adjudant Édouard Cœur de V. Il nous parle des bonheurs simples d'un soldat de la Grande Guerre. Se dévêtir, se déchausser, faire ruisseler de l'eau sur sa chair surprise, se délivrer de la vermine, mettre du linge propre sur la peau épanouie, s'asseoir sur une chaise, à une table, manger de la soupe chaude dans une assiette, boire dans un verre, regarder à travers des vitres, être entouré par des murs ornés de photos ou de calendriers, regarder l'heure à une horloge, entendre une cloche, une voix de femme, se promener sans inquiétude, sans avoir l'oreille tendue vers quelque souffle menaçant, regarder vers le ciel et n'y plus craindre l'apparition du nuage brutal et dangereux diffusant, s'en aller comme il plaît à vos pieds, sans cette démarche cauteleuse et inquiète que l'on a dans le boyau, prête à tous les bonds ou à l'aplatissement sur le sol. Rire, chanter, ne plus sentir la mort qui passe, croire en l'avenir, ça, c'est le repos. Thank you.
Tuon, cette année 1918, à l'Académie française. Le maréchal Joffre y prononce son discours de réception le 19 décembre 1918. Et il n'a pas oublié ses soldats. Je les ai vus, couverts de poussière et de boue, par tous les temps et dans tous les secteurs. Dans les neiges des Vosges, dans les boues de l'Artois, dans les marécages des Flandres, toujours égaux à eux-mêmes. Bons et accueillants, affectueux et gais, supportant les privations et les fatigues avec bonne humeur, faisant sans hésitation et toujours simplement le sacrifice de leur vie. Nos soldats sont les premiers du monde. On ne peut les voir sans les admirer, les regarder sans leur sourire, les commander sans les aimer. Ensemble, chantons la Marseillaise.